Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Jésus. Bien entendu, Dieu, la Bible indienne est rachetée. La Bible indienne est une nouvelle créature. La Bible indienne, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible indienne, si bon Dieu, vous nous venez à personne qui n'a pas contre nous. Vous voulez nous la gloire de parole, nous faites de parole confiance. Vous voulez de toi merci. La Bible indienne, this is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will be glad in this day. Nous vous donnons l'argent, nous vous donnons l'allégresse pendant toute sa journée là, Seigneur. Pendant toute sa semaine là, pendant tout sa mois là, dans le nom de Jésus. De parole indienne, Seigneur Jésus, nous dans la pensée de Jésus. Seigneur, me confessez, me croire. Nous dans la pensée de Jésus, nous dans la pensée de Jésus, nous dans la vie de Jésus, nous dans la grâce de Jésus, mon Dieu, c'est qui te parole en Dieu, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans nous, le Saint-Esprit de Dieu habite au-dedans de nous, le Saint-Esprit de Dieu habite au-dedans de nous. Il n'a pas capable de regarder des millions de nous, regarder nous pas tout seul. Nous avons le merveilleux Saint-Esprit, nous avons le glorieux Saint-Esprit au fond de nous. La cacara va regarder la vie, Dieu, comme au corps de Jésus, par le fleuve de vie, pour jaillir dans nous jusqu'à la vie éternelle. Merci pour le fleuve de vie qui veut jaillir. Alléluia, de vie dans nous jusqu'à la vie éternelle. Merci, Seigneur. La cacara va regarder la vie, Dieu, we are fearfully and wonderfully made. La vie, Dieu, we are fearfully and wonderfully made. La vie, Dieu, we are fearfully and wonderfully made. Mon Dieu, je dois merci, Seigneur. Sakata la va regarder des milliers de Dieu, alléluia, de toute grâce. Mais quand on l'oublie, il va regarder la merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. De toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus. Celui qui donne le plus grand, celui qui donne le monde. Merci Seigneur. Celui qui donne le plus grand, celui qui donne le monde. Merci la paix, la joie, le bonheur, la grâce qui donne la vie du plus grand, celui qui donne le monde. Merci Seigneur Jésus. La catalogue t'exerce la mer au combat, nous dans la bataille. Merci Seigneur. De ton nom, nous capables de chasser des mots. De ton nom, nous pouvons avoir un nouvel homme. De ton nom, Seigneur Jésus. La barricade à la bataille des millions de nouvelles victoires. Nous triompher. Merci de ton nom, nous gagnons le salut. Merci de ton nom, nous avons le pardon de nos péchés. Merci de ton nom, Seigneur, de la réconciliation avec le Père. Merci pour la réconciliation avec Dieu de nous. Merci, Seigneur. Mon Dieu, toi merci de la main qui versait de la croix. Mon Dieu, toi merci de l'épaule qui brisait de la croix. Mon Dieu, toi merci de l'être meurtrie, Seigneur, pour nous. Mon Dieu, toi merci, Seigneur. De la croix, de tu penses, de tu trouves même sa journée à jour là. De tu trouves, Seigneur, ce qui nous peut faire face. Et mon Dieu, toi merci. Victoire garantie dans le nom de Jésus. De la victoire dans le nom de Jésus. De la victoire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour de la grâce. La Bible dit le bonheur, la grâce accompagne tous les jours dans la vie. La Bible dit le bonheur, la grâce qui accompagne tous les jours dans la vie. La Bible dit le bonheur, la grâce accompagne tous les jours dans la vie. La Bible dit, bon Dieu, désire multiplier sur la grâce envers nous. Oui, Seigneur, te désire multiplier de la grâce envers nous. D'un Dieu de grâce, mon Dieu, toi merci. Mon Dieu, toi la gloire, mon Dieu, toi la gloire. Rabba, baba, la vie, la gloire, le péché abondé, la grâce est sueur débordée. Merci pour sa sueur, c'est la grâce qui sueur débordée. La merci, Seigneur, super abounding grace. Mon Dieu, toi merci pour ta super abounding grace. Nous voulons grâce devant toi, mon Dieu, toi merci, nous trouvons grâce devant toi. Merci, Seigneur, c'est pour grâce qui nous a sauvés. Mon Dieu, toi merci, Seigneur, pas pour nos propres œuvres, mais pour grâce. Mon Dieu, toi merci, nous rappelons nous-mêmes, Seigneur, l'alliance qui nous fait avec toi. Mon Dieu, toi merci, une nouvelle alliance, une alliance qui est ratifiée le sang de Jésus, une alliance catalave qui est éternelle, une alliance catalave qui glorieux, une alliance catalave qui porte le meilleur qui chose, une alliance catalave qui est révélée, catalave qui est révélée, racatalave qui est révélée, de l'oublier, louer toi, louer toi, Seigneur, ton nom est là-haut, tout bas, non, Seigneur Jésus, mon bon Dieu est incomparable, mon bon Dieu est merveilleux, mon bon Dieu est glorieux, mon bon Dieu, alléluia, est admirable, mon bon Dieu est formidable, mon bon Dieu est tout puissant, mon bon Dieu est sacatale capable, révélé, gondarabrida, la valigande, la prédit, divinion de l'oublier, où êtes-nous légers, Seigneur? Où êtes-nous légers, Seigneur? Où êtes-nous légers, Seigneur? Pour trouver comment te trouver? La catalabaricanda, la brède, Seigneur, mon place devant toi, tout le peuple de Dieu, alléluia, le monde à blanche, et partout d'ailleurs, mon couvert, je porte le sang de Jésus. Mon Dieu, toi, merci pour la paix qui périt de la vie. La Bible dit, Rabba, Baba, nous, la maison, les bénis. La verge de l'éternel va une fois venue dans nous, la maison. La Bible dit, Rabba, Baba, nous, bénis dans la paix sans mélange de crainte. La cata, nous, la case, il bénit, nous, demeure, il bénit, parce que la Bible dit, demeure, va juste, il bénit. Merci, nous, demeure, il bénit, merci, Seigneur. La cata, la Bible dit, rachète des temps, le Père rachète des temps. La cata, la Bible dit, prépare-nous pour la venue de Jésus.
Jésus. Ne me prépare nous pour devenir, Seigneur. N'a qu'à ta la bas de guider, nous les êtres commencent à disvierge. La qu'à ta la bas de guider, nous les gola que tu sois, Seigneur Jésus, tu veillais. Tu gardes la lampe avec de l'huile. Nous les gardes la vie avec de l'huile. Nous les gardes les quais avec de l'huile. Nous les gardes nous, Seigneur, avec l'onction, avec présence de Dieu. Rababa, par les midi, godo, de ganda, rababa, de guider, mais nous pouvons faire ce qui te soutient, Jésus, et faire. Ne pas prêter nous ni à droite ni à gauche. Nous les ai fixés au toi, Seigneur. Ma qu'à ta la bas de terre, donne-nous la foi. Nous les ai pas fixés devant le bar. Nous les ai pas fixés devant circonstances. Nous les ai pas fixés devant situation. Nous les ai pas fixés devant news seulement. Nous les ai fixés au toi, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Merci nous la foi de nous équiper, la foi qui fait nous triompher, la foi qui rend nous plus que vainqueurs, la foi, alléluia. Le côté qui est agréable à Dieu, nous la foi dans nous. Les belles condes, rababa, pour vous en modèle, nous la foi. Pour demander bon Dieu, ma quitte chose, nous la foi. La catala va triomphant, nous la foi qui est un bouclier. Ma propre regarde, si qui est divinité, on la managana, nous vivons la foi. La vie de mon juste vivra par sa foi. Nous sommes justes, nous venons justifier en Jésus. Nous vivons par la foi, nous causons par la foi, nous trouvons par la foi, nous tentons par la foi. Nous déclarons pas this time next month, everything is alright. Nous déclarons pas this time next month, hallelujah, nous dans l'église, nous pouvons louer, nous pouvons célébrer. Nous cobrada qui d'adra, ba que blé, de division, d'un amant, car la brée, de débé, de carabas, chigi, de divinité, de débé, on d'un amant, de gamba, de brigue, de débé, de gondo, de bolo. Seigneur, nous lier sa virus dans le nom de Jésus, nous chasser dans le nom de Jésus. La Bible, il y a un mille, il y a un chemin, il y a un fuir par cette chemin. Moi, il y a dans la gloire, de mettre confiance encore l'ennemi. Alléluia, 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 alléluia. La victoire, les vignes de toi, Seigneur. La cataraba de Guinée, nous demeurons sur la bouche du Tréau, l'île Maurice. Il demeurait sur la bouche du Tréau. Nous déclarons, disant Jésus-Christ à l'île Maurice, pour protection. Carababa va nous vaincre le diable, nous vaincre l'accusateur par le sang de l'agneau. Et par parole, nous témoignons. Catarabre, Guinée, Yandala, nous la victoire. Nous la victoire, nous allons avoir accusation. Nous la victoire, nous allons avoir condamnation. Nous la victoire, nous allons penser qu'il va venir de Dieu. Mi catarababa, rébidigandaraba de Guinée, de Gondolo, Seigneur, nous chasse maintenant même le brunda rababababa le sentiment qui va venir de Dieu, la cataraban caractère qui va venir de Dieu, l'ibion de le brunda rababababan désir de la chair, la barganda rabrique des ibion qui chose contraire à l'esprit. Nous met dehors dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, na catarababababa libidique des libidé. Papa, moi les prier pour tous ceux Seigneur qui faisaient provision dans la maison, moi les place devant toi dans le nom de Jésus, te montrer toi-même comment celui qui fournit, alléluia, te nous fournissez, te nous grand fournissez, te fournis Seigneur Jésus, ça va enfant de Dieu là, c'est que je n'ai pas besoin. Je dis bien sur les légumes, sur les provisions, sur les grocery. Je dis à toi merci Seigneur. Rababa te fait infiniment au-delà Seigneur. La catalaba de guérir, de l'obronda, rababa de guérir. Ton amour Seigneur qui te donne pour eux, alléluia, te montre ceux qui te comptent en eux. Je dis à toi merci. Ma provision peut multiplier dans la vie. L'argent peut multiplier dans un moment comme ça. Oui, Seigneur, dis-moi que je ne peux pas connaître, peut venir, peut bénir, je ne peux pas me dire, toi, merci. Quand je t'ai lancé dans les affaires, je ne peux pas me mettre laqué. Oui, Seigneur, parce que je plante les temps de ton royaume. Ramama, je ne peux pas perdre les temps. L'oubli, la rabat, la laqué, je dis-toi, merci. La barouko, et même dans laqué, la bouche, la tête, nous pas laqué, le premier, nous pas dernier. L'oubli, la guide, la nama, c'est des rêves, qu'un des rêves. Mais tu dois placer qui vient de l'air, qui vient de Seigneur. La barakanda, la barigue de l'oubrion, la managanda, la bride, la bride, la bride, fonctionner d'après l'économie du ciel. Me déclarer, nous pouvons fonctionner d'après l'économie céleste. Me délouer et t'emmener dans la gloire dans le nom de Jésus. Merci, grand Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous saluez tout dans le beau nom de Jésus. Gloire à Jésus. Avant qu'il nous loue, bon Dieu, et nous écoute la parole de Dieu, laisse-nous mettre tout debout dans une place. Nous l'aimons, nous prions pour ce moment qui nous fait consacrer à Dieu, pour sa réunion. Amen. Seigneur mon Dieu, mon loué toi, pour l'homme de Dieu qui porte ta parole. Aussi bien, Seigneur Dieu, je ce matin, mon loué toi, en pour l'avance. Pour les autres pasteurs, Seigneur Dieu, Dieu qui veut faire l'œuvre de Dieu. Pour le peuple de Dieu, Seigneur mon Dieu, il y a différents endroits, de différentes façons, qui veut trop bon pour apprécier, pour écouter ta parole, pour arrêter toute ma activité de ce jour. Je vais consacrer, Seigneur Dieu, Dieu. Oui, Seigneur Dieu, Dieu, nous la journée. À toi, tu sais, Seigneur, pour de toi la gloire. Pour de toi la gloire, Seigneur, mon Dieu, nos oreilles sont loin pour écouter tes paroles. Nous, les quais, bien préparés pour entendre, pour comprendre tes paroles. Nous, la main, nous, la bouche, Seigneur Dieu, je vous servir pour louer toi, pour adorer toi. Me brise, toi, une forme sommeil, léthargique, paresse. Tu vois un démon qui est manifesté à travers ce Saint-Homme-là. Tu vas empêcher de louer, adorer, me briser au nom de Jésus. Mole toi gloire, Seigneur, parce qu'il te puissant, parce qu'il te azir. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Vous pouvez inviter le pasteur Vachal devant pour diriger nous dans l'adoration. Voilà, vous savez, vous êtes dans le nom de Jésus. Et la joie et la grâce pour nous réunir encore une fois dans la présence de Dieu. Laisse-nous adorer le Seigneur de tous nous lesquels. Vous prenez sa cantine qui dit
toi là le meilleur du monde. Amen. Jésus-Christ est béni. Il n'a baissé ni humilié lui-même pour nous dans la croix. Et il sauve. Jésus 150 là. Toi la lumière du monde, de l'espoir, pour toi.
Seigneur. Nous bénissons Jésus. Amen. Amen. Vous savez tout dans le nom de Jésus. C'est dans la joie, c'est dans la grâce pour nous rassembler encore. Le Père prend nos places. Dans le nom de Jésus, vous savez tous ceux qui peuvent nous par Skype, par YouTube, par WhatsApp en ce moment. Et ceux qui d'ailleurs peuvent nous par rediffusion. Que le Seigneur bénisse. Alors avant que nous commencions, pour inviter pour écouter tout à l'heure le bishop. Le bishop vous présente un joli message tout à l'heure. Je suis capable de tune. Je t'écoute le bishop. Et puis on a le pasteur Anil aussi qui vous prêche, nous surintendant. Et hier nous avons le pasteur Lauriana, le pasteur Guitane qui présente un joli message. Vous êtes capable de prendre ce message par Facebook et de t'écouter. Et moi aussi, je vous bénis. Amen. Alors tous ceux qui peuvent écouter en ce moment, si vous êtes pasteur live en ce moment, vous êtes switch-off, c'est ce que je vais faire là avec nous. Vous êtes support de pasteur de ce qu'il va faire live et que le Seigneur bénisse. Laissez-vous commencer par parler long un moment. Rakatara ba di bidionde ne meniganda la basche de bidi bidionde lo bro da ba 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 ga da di anda la preghe de bidi godo lo bosso. Te parole in quand nous parlons, nous parlons à Dieu. Te parole in Seigneur, quand nous parlons, nous déjà van merveille. Te parole in quand nous parlons, nous faire la prière exacte avec certitude. Rakatara ba ba sege de de bidionde na maganda la preghe de bidionde lo preghe de beshe de bidi. Oh béni ton nom dans la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bien content, je vais prier pour eux. Et un plaisir aujourd'hui, grand matin, pour nous capables de porter la parole de Dieu ensemble. L'homme ne vivra pas de pain, de chapati, de rôti seulement, mais il pourra vivre avec toute la parole de Dieu. Amen. Hier, pasteur Romy, tu m'as donné un joli verset d'Exode. Moïse, il y a toute la loi, toute une ordonnance, tout un commandement qui t'écrit, tu liais ça devant le peuple. Grand matin, ce qu'attends, le peuple de Dieu t'écoutait, tu dis Amen, Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. On va vous lire toute la Bible avec vous, c'était là. Mais ne bouquez des trois bonnes versets de la Bible qui peut encourager nous. Avant que nous commencions, nous allons répéter la prière à l'église Mondale Blanche. Oubliez-moi Dieu, nous capables de répéter ça la prière là ensemble. Et dire Seigneur Jésus, mort et fils, l'amour prématuré, mort et fils, mort bonheur, mort et fils, maladie, mort et fils, cauchemar, mort et fils, un mauvais passé qui reçoit moi, mort et fils, tension, diabète, cholestérol, cancer, grossesse, mort et fils, soit dans le nom de Jésus, me confesser Jésus-Christ, le Seigneur, dans mon vie, mon pas m'ennuyer, mon multimillionnaire qui est généreux. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonjour, millionnaire. Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 3 et le verset 7. Pendant que je vous vais, Philippiens, chapitre 3, verset 7, me rappelez-vous, ben, je verset la Bible, qui nous habitait confesser toutes les semaines dans l'église Mondaine Blanche, qui la Bible dit Genèse 42, 28, mélangeant pour retourner dans mon poste. Qui la Bible dit Genèse 31, 41, me la paix pour vivre 10 fois plus. Que la Bible dit à Genèse 50, verset 20, ce qui doit te penser du mal pour faire moi, bon Dieu, tout ça pour moi du bien. Que la Bible dit à Nombre 23, 23, ni la sorcellerie, ni la divination, pas capable de moi. Que la Bible dit à Ecclésias, chapitre 3, verset 11, bon Dieu, il veut tout qu'il se joli dans ce les temps. Amen. Zacharie, chapitre 2, verset 5, bon Dieu, un miracle dit fait autour de moi. Connais sa bonne versée là, confesse sa bonne versée là, et laisse sa bonne versée là, travaille dans la vie. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vas-y, pasteur Jean, Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le titre de mon message aujourd'hui, je vous dis en anglais, Forsaking things for the sake of Christ. Et la même chose que nous avons abandonné, et la même chose que nous avons arrêté de faire, et la même chose qui nous vient mettre des hauts depuis dans nous la vie, pour nos connaissances concernant le Seigneur Jésus augmenté. Lire les prochains versets qui disent qui fait les messages des hauts, regardez les versets 7 et verset 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Il y a différentes approches que nous sommes capables d'apporter à sa message. Hein? Renoncement à Banzer Mode, crucifié de la chair. Il y a plusieurs, David toi-même par exemple, mot à toi-même, à ton désir, à quelque chose de ce monde-là. Il y a plusieurs titres que nous sommes capables de mettre avec sa message. Il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs versets que je suis capable de
concernant ce sujet qui nous peut causer aujourd'hui là. Dans la Bible, Mace, M-A-C-E, il dit là-bas, tout ce qui est dans le mot l'avantage, je dis que ça, comment dire, non, je ne vais pas les liaster. Tout ce qui est dans le mot l'avantage, je dis que je ne vais pas les liaster. Dans la Bible, ISV, il dit, tout ce qui est guidé comme un asset, pas la liability, comme un asset, tout ce qui est considéré comme un asset, à moi, je ne vais pas les. Dans notre version, il dit, tout ce qui est guidé comme un profit, tout ce qui est profitable pour moi, je ne vais pas les. Je vais dire comme un garbage, je vais dire comme un trash, je vais dire comme un rubbish. Dans la Bible Martin, il dit, je vais dire comme un fumier. Mon frère, monsieur, pendant ce moment qui nous fait vivre dans le confinement, beaucoup parmi nous nous réalisons, nous la vie est remplie, est loaded, avec beaucoup d'activités, avec beaucoup de choses. De plus en plus, quand l'année finit passer, nous trouvons beaucoup d'affaires qui rentrent dans nos timetables, qui foncent dans nos schedules. Nous trouvons parfois faire quelque chose par obligation. Nous trouvons faire quelque chose basé sur ce qui dit le monde pour penser si je ne fais pas ça. Et là, pendant qu'il ne fait pas ce confinement, nous, la maison, nous avons réalisé que ce que nous pouvons faire là, il n'est plus important. Mais ce n'est plus important dans mon avis, ça qui fait que tu peux faire ça autant. Ça qui te fait que tu peux prendre le temps, ça qui te fait que tu peux prendre l'énergie, ça qui te fait que tu peux prendre l'argent. Le but de ce message, c'est... Laisse bon Dieu ouvrir nous lire, cause avec nous. Tout ce qui nous dit quoi, bizarre fait, pas qu'à vivre si nous ne faisons pas ça. Nous nous trouvons là. Nous ne sommes capables de vivre sans faire. Un des trois, ça va être quelque chose qui te rend, qui fonce, qui rentre dans nous la liste là. Tu fonces, tu rentres dans le timetable là. Doucement, nous trouvons que notre timetable finit d'être clouded. Doucement, nous trouvons que la vie, nous les cœurs, finit d'être envahie. Parfois, il paraît que moi, tu dis petites affaires. Il ne va pas prendre les temps. Tu as un énième temps à le gym. Je ne vais pas dire pas besoin de gym. Un énième temps à faire ces affaires là. Mais aujourd'hui, là, pendant ce qui nous fait passer, nous allons trouver qui. Est-ce qu'il est vraiment besoin de faire ça? Beaucoup de choses peut-être passer temps devant la télévision, de choses que tu peux gagner, que tu peux faire après travail, de choses que tu peux faire Friday. Comment on appelle ça de vendredi à casser une pause avec un camarade pour un habit? Happy hours. Et n'importe quoi, peut-être que tu crois happy hours, passer un moment avec un camarade pour nous pour faire team bonding pour qu'on travaille. Mais nous ne pouvons pas trouver là, nous finissons vivre 20 jours. Nous ne pouvons pas travailler sans nécessairement à boire une affaire de vendredi tantôt, n'importe quoi de ça. Nous l'avons parfois, comment dire, quand nous gagnons avant sa confinement, tu commences le métro. Tout ça fait, tu peux rush. Dès que tu fais ça, tu as fini ça, tu as fini ça, tu as fini ça. Réveillez verset chapitre 3, verset 7 de la pasteur Vachon. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Quelque chose que nous tu peux considérer quand nous réfléchissons la vie, là, quand nous peux passer à ce moment-là, et là, nous passons jusqu'à le 4 mai. C'est ce que le gouvernement finit de dire. Beaucoup de pays peuvent extendre le confinement. Une partie de notre activité, c'est dans nos égos là-dedans. À cause de notre égoïsme, tu peux faire ça. Une partie de ce que tu peux faire et qui est bon Dieu pour dire à nous, nous devons arrêter de faire, tirer ça depuis dans nos agendas, redresser nous la vie. Nous sommes dans nos réputations là-dedans. Comment dire, nos réputations, tu es basé sur le besoin de faire ces affaires-là. Ben. Ouvrez ce qui vous était, n'est pas devant nos réputations. Vous n'êtes pas capable de vivre là sans réputation. Vous n'êtes pas vivre là sans applaudissement. Mon frère, monsieur, il y a tout un autre exemple, c'est nous tenons une crave, nous tenons une envie fast food. Tous les deux jours, trois jours, nous payons fast food, comment on appelle ça. Et nous ne sommes pas capable de vivre sans ça fast food là. Mais 20 jours, nous finissons vivre là. Nous goûts, nous parler, mais sans oser maintenant. Mais quelque chose qui me fait guider comment mon avantage. Mais quelque chose qui me fait guider comment mon propre plaisir personnel, comment mon profit.
On arrive à l'air que nous réfléchissons, nos agendas, nous réfléchissons, nous la vie, nous l'équerre. Est-ce que ça va être quelque chose à vrai, vrai? Does it matter? Qu'est-ce que ça fait que priorité là? Comment analyser qui peut arriver autour, nous trouver une timetable qui est revisited, comment dire? Comment dire, nous dans l'école, inspecter, nous venir pour checker nous dans le travail. Et comment dire, nous dans le travail, être auditeur, nous venir pour checker tout ce que nous pouvons faire. La façon nous dépensons l'argent, nous sommes en alter, en change en ce moment. Nous avons un goût insensé. Nos identités, nous pouvons trouver ce qui est vrai, nous était, c'est waouh. Nous pouvons passer temps avec nos familles, nous pouvons travailler depuis la maison, nous pouvons passer temps avec le Seigneur Jésus. Nous pouvons trouver une vraie identité. Nous pouvons trouver vraiment, et nous n'avons pas besoin de nous dans la case, nous sommes dans la case. Tellement nous laissons du monde étoile à la case, nous ne pas connaît. On tient dans ça dans la case, nous ne pas connaît. On sa photo là, tient là, même on pas connaît. À ce temps-là, quand nous pouvons nettoyer nous propre la case, nous pouvons dire. Et t'as sa photo là côté de terre, c'est trouver ça. Et n'a pas venu nous utiliser les autres du monde, ben nos enfants, ben babysitter ou bien nous acquitter nos enfants, ben nursery. À ce temps, nous pouvons bizarre rester avec nos enfants, nous pouvons apprécier plus les temps avec nos enfants. Philippiens 3, verset 7, il dit tout ce qui est dans mon profit, tout ce qui est dans mon propre plaisir, ce qui te fait mon loguer, ce qui te fait mon asset, ce qui me dit quoi, ça m'en a fait là qui font partie intégrale, priorité des priorités. Et malheureusement, il y a du monde qui met le bon Dieu après. Et il y a du monde dans un agenda, quand ça m'a fait là, il rentre dans la vie. Ça m'a une activité qui n'est pas nécessairement importante quand il rentre dans la vie. Bon Dieu, lui, pas d'hier, pas d'hier, pas d'hier, pas d'hier. Nous avons trouvé qu'il fait un travail, des travaux, trois travaux, pas de chasse. Il dit, il y a du monde qui a besoin de débout. Alors pendant deux ans, trois ans, il peut travailler trois travaux, il a besoin de débout même. Alors nous demandons chrétien là, mais pendant trois ans, ça faisait trois travaux là, pendant six ans de débout là. Mais les Jésus, ils nous débout. Parfois, nous laissons une pensée, un raisonnement. Et le diable, comment dire, il glisse ça tranquille, cette activité-là. Et une intense, un coup, ça, un travail, ça. Mon frère me dit, non, laisse-nous régler nos agendas. Je dis, gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 2. La Bible dit, we should no longer live the rest of our life in the flesh, or to satisfy the flesh, to lust after the lust of men. 1 Pierre 4, verset 2. Nous ne pouvons pas continuer à vivre nous la vie dans la chair pour faire plaisir à la chair et pour galouper ce qui est du monde désiré ardemment. Le but de ce message, mon frère, mon Seigneur, je ne peux pas moi, je vais côté où, je dire où, qui vous êtes tiré dans la vie. Ou même, regarde où la vie, regarde qui vous êtes tiré dans la vie. Le deuxième, gloire à Dieu. Beaucoup parmi nous, nous avons trouvé nous récit survivre. Pas si nécessaire vraiment à un sakiken qui tu veux prendre nous les dents là, qui tu veux finir nous l'argent là. Pas nécessaire tu perdre les temps à la boutique. Il n'est pas si nécessaire les couches. Moi, je vais donner un exemple comme ça là. Hein? Merci Seigneur, merci Jésus. Et quand vous préparez ça, mais sans ça, quand tu as bon Dieu, mon dirigeant, par le comprendre, il y a un monde, tu peux faire ça, une activité. Tu as l'air dans la liste, ça va une activité là. Et là, tu peux faire ça parce que comment dire, avec les pas trouver, ça me prend sur les temps. Ça jeune qui, comment dire, quand le collège est fini là, au lieu de retourner sur la case, il fait son devoir, puis il donne son maman pour bien vous préparer à manger ou bien de reposer. Ça jeune là, tu peux perdre les temps dans la gorge. Comment dire, aveuglé, je pas trouver, ça me perdre sur les temps. Parfois, faire quelque chose parce qu'il est aveuglé. Et non, parce que tout mon camarade peut faire ça, laisse-moi aussi moi faire ça, attention, si je ne peux pas faire ça, ben, qui peut dire. Ça, on appelle ça peer pressure. Nous sortons une pression dans nous, nous sommes obligés de faire ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Non, mon frère, mon Seigneur. Oui, identité dans Jésus. À nous, c'est un premier exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous trouvez, avant bon Dieu, de, quand Bana qui traverse la mer rouge, avant qu'il Bana pour commencer à rentrer dans la terre promise, qui bon Dieu te dit à Bana? Consecrate yourself, purify yourself, non? Et dans sa jolie verset là, consacrez eux-mêmes. Consacrez eux-mêmes. Le but de ce message, c'est, oui, nous tenons envie à rapprocher-nous plus de Dieu. Lorsque c'est qui vient l'orgueil et rapproche-nous plus de Dieu. Moi, je raconte une histoire qui est un pasteur. Comme tu en es, tu peux étudier un pasteur et te dire. Un jour, tu es un zako, tu es un singe, un bundle. Tous les jours, il vient coca un pistache s'y manger. Là, un jour, le propriétaire qui vient faire, il prend un coco, un gros coco, il fait un trou là-dedans, il met le pistache là-dedans.
Alors quand Zakon vient, il font sortir la main en dedans pour prendre un poignet pistas. Quand son main rentre en dedans, il appelle un gros poignet pistas. Assez son main pas peut sortir. Zakon là, il a envie de liberté, il a envie de sortir aller, seulement il a envie de pistas aussi. Non, mon frère, monsieur. Qui Zakon là bien fait? Djema, qui Zakon là bien fait? Bien leur pistas là, s'il a envie de liberté. Et les mêmes affaires, nous allons leur dans la vie. Nous avons besoin où là? Dans le moment qui va passer comme ça, regardez tout la vie. Qui la Bible dit? Examinez-vous vous-même. La Bible va dire examinez-le. Non, examinez-vous vous-même. Chacun examine lui-même. Guettez s'il est dans la foi. Examine nous-mêmes. Premier exemple, on prend Samson. Est-ce qu'il vrai Samson ce muscle qui t'y mate? Est-ce qu'il vrai Samson à la gym en coin de coup, pomper en coin de chipper, pomper? Est-ce que ça qui est vraiment plus important, priorité? Est-ce que définition partout coupée, cut partout coupée dans l'écho, est-ce que ça qui est priorité de cela vie? Mais tu trouves libre être nourri, être nourri, si je suis capable d'expliquer ça comme ça, avec la pensée qui me faut, moi, mon cas, faire tout, moi, personne n'est pas capable avec moi. D'ailleurs, il rentre tout seul dans la ville, il met un différent, il met un désordre, il vit le camp l'ennemi en bas là-haut. Il commence l'esprit croire qu'il se la fausse pour t'y aller dans tout problème. Il commence à rendre un chemin d'une relation qui partit bizarre avec une madame. Elle aime qui va tous ses cheveux. Mon Dieu, tu es là dans la Bible ISV. Dans la Bible ISV, il dit c'est qu'il me considère comme un mot assets. Est-ce qu'il s'en sont qui considère ses cheveux comme un mot assets? Vous connaissez en Inde, il y a beaucoup de monde qui ont longs cheveux. Pour eux, c'est un asset ça. Et là, dis-moi, là, je taille les autres cheveux, je vends les autres cheveux. Les longs cheveux. Faire perruque, faire beaucoup les autres kitsos, et là, dis-moi, dans l'Europe, venir acheter, ça va être là, aller, ainsi de suite. Un grand business, ça en aime, vendre les cheveux. Est-ce qu'il nous aussi pareil? Le cheveu, il nous assets. Ou Samson? Là, il y a la Bible pour dire nous, dans Juges chapitre 16, verset 19, Samson, tu perdis sur la fosse. Maintenant, tu as ta Samson. Les types perdent du solidier. Les types font travail qui est un bœuf, tu fais un fer, ils commencent à craser les épices, les quitteuses, ils font tourner la mule, tourner en rond. Voilà un dimon qui, comme on dit, ici, il rentre dans le confinement. Ici, il trouve une rentre dans le confinement. C'est un débat insensé. Vous comprenez, il y a un mot passé vers le champ, Juges chapitre 16, verset 19. Adam dormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Mon frère, monsieur, qu'est-ce qu'il a fait qui dans la vie, dans le travail, où tu dis ça comme dire, où la force? Jeune man camarade là, après le travail, boire, bien passer un moment, c'était ça ou la force? À cause ça que tu fais quand tu travailles? Quelles autres affaires où tu peux penser c'était ça ou la force? Ça, ou la force ça? C'est un petit peu fort, tu fais où tous les jours? Ça la boisson là peut-être? Tout ce qui est venu pour venir pour faire ou une faux, si tu partis la parole de Dieu, mon frère, mon sœur, mettez des hauts. Jeune homme, jeune fille, monsieur, ou faux, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Réajustez vos agendas. Laisse bon Dieu venir nous coach. Je voulais que bon Dieu nous montre moi. Pasteur a dit. The growing of his hair was more important than building up his muscle again. Ce cheveu repoussé, c'est plus important qu'il y pompe, qu'il y refait ce muscle, bien fort encore un coup. Bien sûr, nous connaissons la force partie de ce muscle, l'Esprit de Dieu qui t'y saisit. Là, moi, je peux donner une paraphrase, je peux donner une illustration. Et c'est ça qui m'a voulu réaliser aujourd'hui. C'est que nous pensons, nos muscles, nous équiper à nous fort à ce là. Bon Dieu, mais tu dis, non. Le cheveu bien poussé. Qui vous peut redire par un cheveu bien poussé? Remarquez quand le cheveu poussé, nous pas pour remarquer, nous pas pour finir de se trouver le cheveu là poussé. Mais pour arriver un beau jour, tous les jours il pousse tchiki, mais arrive un jour, waouh, c'est bien mis long de. Vous connaissez la vie spirituelle il y a un peu comme ça? Vous connaissez où la mort spirituelle il y a un peu comme ça? Vous connaissez plus où il y a la Bible, tchiki, tu payes la Bible tous les jours, payer la Bible tous les jours sans que vous réalisez, un jour, waouh, et qui quantité mon lien, il me finit de marcher la Bible là, il me finit droit encore la Bible là. Tous les jours, tu n'aimes pas ou payer, tu n'aimes pas ou payer. Laisse ça se là pousser, mon frère, mon sœur. Consacrez-vous la vie, one day at a time.
Et là, Dieu me dit, comment vous venez comme pasteur Cyril? Comment vous venez comme pasteur Benihin? Comment vous venez comme pasteur Azun? Comment vous venez comme pasteur Romy? Take it one step at a time. D'accord, vous avez mangé pour gagner la force. Vous avez mangé protéines, par exemple. Est-ce qu'il y a 16 jours, vous avez un an sur protéines? Vous commencez à vomir, vous commencez à rendre, il n'y a pas pour courir. Mais le monde spirituel, c'est pareil. Dans 16 jours, on prend 24 heures de temps, on écoute tous mes sens qui sont capables d'exister dans le monde. Après, là, le 24 heures de temps, on ne met pas en pratique ce que la Bible dit, on ne met pas lire la Bible, on ne met pas dans le moment avec Dieu. Mais il n'y a pas moi aussi. La vie chrétienne, il n'y a pas combien de temps, nous devons accélérer après nous casse-coller, nous mettons nos vrais mots. La vie chrétienne, continuellement, nous avançons avec le Seigneur. Je dois dire gloire à Dieu. Alors, régler toute bonne activité, mon frère Mosséen. Régler toute bonne activité. Nous n'avons pas besoin de venir comme un Samson, nous. Nous n'avons pas besoin d'être l'état que nous aveuglés, nous venons esclaves, par force. Et la bonne chrétienne, nous savons, quand je viens de l'église, quand je viens de l'église, persévérer. Non, parce que je n'ai pas gagné le temps là, m'occuper du travail là. Après un moment, elles ont fait arriver sur la vie, je suis dans l'hôpital. Nous avons rendu une visite, quand on a prié pour eux, nous disons, là où il y a les temps restés à l'hôpital là. Là où il y a tous les temps qu'il faisait là, un travail bien beau temps là, là on peut réussir à rester des ou trois jours. Imagine nous Jésus. Mais quand nous réfléchissons, vrai. Quand nous restons à l'hôpital, et là qui nous a consacré de la vie, et là nous regrettons ce qu'il faisait. Non, pas laisser ça comme ça, mon frère, monsieur. Je dis gloire à Dieu. Mais pourquoi qu'il nous faisait lose nos eyesight, lose nos visions, perdre nos visions? Pour nous régler nos agendas. L'esprit, au contraire, nous lisez bien ouvert, avec lisez bien ouvert, ouvert par le Saint-Esprit de Dieu, à nous régler nos agendas. Nous gagnons déjà un exemple, allez, nous gagnons déjà un exemple. Régler de bonnes priorités, mon frère, mon soeur. Régler de bonnes priorités. Sans sens aux priorités, ce n'était pas casser une pause, faire une semaine ou bien passer un peu de moment avec sa madame qui appelle Dalila. Ce n'était pas ça, c'était pas ça, sa priorité. Aussi pareil, avant qu'il nous guide déjà là, est-ce que. Si il y a un demon qui a besoin de couper dans la relation, il a besoin de chez eux. Abraham, tu as pris sa message. Hein? Nous causons la foi d'Abraham. Gloire à Dieu pour la foi d'Abraham. Nous causons Abraham qui est allé pour adorer avec son garçon. Gloire à Dieu pour Abraham qui t'a adoré avec son garçon. Mais est-ce que vous connaissez un moment où Abraham qui a laissé Agar avec Ismaël aller? Priorité. Qui a fait pour consommer la vie? Il y a un verset qui dit dans le Nouveau Testament: Get rid of the slave woman and her son. For she will not inherit with the free woman's son. Mais par exemple, ça n'a pas ça. Dans quelle relation on rentre qui est toxique? Dans quelle activité on rentre qui, comment dire, se consume où l'argent peut finir? Demande bon Dieu la fausse courage. Bon Dieu pour nous. Fais comme Abraham. Ah ben pasteur, si moi, attention, mais qui parie sur l'équerre? Mais tu n'as pas une pensée qui parie bon Dieu sur l'équerre? Ah, pasteur, attention, il prend une mauvaise décision et a commis suicide. Bon Dieu, c'est grand pour prendre les soins. T'es bon Dieu, toi qui empêche de suicider? Non, mon frère, monsieur. Bon Dieu, même si toi, t'es mort aujourd'hui, mais qui va arriver là? Bon Dieu, pas qu'à prendre les soins? On va pas dire si t'es mort aujourd'hui, mais la Bible dit que t'es besoin de mourir toi-même. Je veux comprendre la pensée. Donc, il y a déjà un exemple dans la Bible. Moïse. Hébreu chapitre 11, verset 24. Vas-y, pasteur, va chanter. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vous trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 24, verset 25, verset 26. Moïse, il refuse un titre. Pourtant, Moïse, il naît comme un enfant esclave. Moïse, il naît, il résiste 3 mois avec son maman, son papa. Après 3 mois, le grand l'Égypte, grand Pharaon sur la case, household, fait adopter lui. Son nom est insensé. Son manière de manger est insensé. Il n'y a pas besoin de cuire ce manger. Les autres qui mangent à mener. Il n'y a pas de manger quand il commence à grandir pour une prince de l'Égypte. Il n'y a pas de chariot. Nous connaissons qui arrive Joseph quand Joseph est premier ministre. Parce qu'il met dans un chariot. Oui, d'accord, peut-être qu'il n'y a pas de remplaçant de Pharaon. D'accord, il n'y a pas de pouvoir prochain Pharaon. Même aussi, il y a un prince de l'Égypte, il y a une fonction spéciale importante dans la dynastie de Pharaon. Un grand poste de travail est réservé pour lui. Donne l'ordre. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit Moses was educated in all the wisdom of Egypt. Moïse était dans l'éducation. Et quand mon guide Moïse me trouve, un qui est tellement intelligent, il t'écrit à l'édit commandement,
Lè kambo kambo yi si kras sa de tablet, sa de pire ki bon Dje ti ekre. Bon Dje ti ekre premier coup, Moïse quand il descend, tu trouves le peuple de Dieu, pépé péché, l'incrasé. Et là, bon Dje ti allez, hey, allez à l'écrire toi-même à ce terre. Al prend des tables, des roches, tu vas l'écrire toi-même à ce terre. Moïse, tu fais ses écrits, fais ce devoir. Sans compter les 10 commandements, il n'écrit encore dans les autres commandements, dans les autres ordonnances, dans les autres lois qui bon Dje ti allez écrire. Comme au gain Moïse avec Saul de Dorsk, c'est des gens bien éduqués et ce n'est qu'un grand portion de la Bible. Moïse il écrit 5 livres de la Bible. Et Paul il écrit encore dans les autres livres. Écoute bien ce qui bon Dieu dit à Mabou. Tout ce qui bon Dieu investit dans la vie Moïse, il est utile pour le royaume de Dieu. Tout ça l'éducation que Moïse a gagné là, bon Dieu a assuré que ça l'éducation là, il est servi pour le royaume de Dieu. Tout sa connaissance que Moïse y apprend là, pendant non rien que bon Dieu permet tout apprendre. Que ce soit on apprend cuire, on apprend coudre, on apprend faire un travail, ou compte ce qu'il faut faire, ou un directeur dans le travail, mais pas qu'on est qui travaille, ou accounting, ou art, ou dessin, ou design, ou littérature, ou langage, ou computer. Tout connaît, tout ce qui Dieu, depuis que né, tout ce qui bon Dieu fonce dans toi, il permet toi de gagner connaissance, il a croyant knowledge, n'est pas en vain ça nous faire aussi. Dieu, il y a un Dieu qui est extraordinaire. Quand bon Dieu met, on va dire comme ça, hein? Quand bon Dieu met sur l'argent dans le stock, exchange appelle ça, dans un quoi appelle ça, dans la bouche. C'est que bon Dieu investit là. Il ne va pas dans des lots, il fait ce profit là-dedans. Bon Dieu investit dans haut. De Dieu, bon Dieu investit dans moi. Allez, je veux dire, bon Dieu investit dans moi. Et bon Dieu, sur investissement dans haut, il ne va pas dans des lots, mon frère, mon Seigneur. Bon Dieu investit dans haut. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ce façon marché, c'est extraordinaire. Ce linge, c'était un linge royal, ça, Moïse. Il était promis dans une prominente position, si vous êtes capable d'appeler ça comme ça. Et il était immense à Dieu. Il n'y a pas de besoin de guet. Il n'y a pas de besoin de soins à Dieu. Brebis. He ate lamb. He was not to be a shepherd of sheep. Il était immense à Dieu, côté Pharaon. Mais la Bible dit clairement, Hébreux chapitre 11, verset 24-25, Moïse, il refuse un des bons titres. Qui c'est un titre ou si on a tassou avec ça là? Recheck ça un petit coup, mon frère, mon sœur. Recheck ça un petit coup. Et vous comptez dans le prochain verset, il dit Moïse, quand il vient grand. Et dans la version, il dit quand il vient à la maturité. Quand il vient mature enough. Il dit non. Il refuse tout ça là. D'ailleurs, dans le verset 25, Il dit, Moïse il refuse le trésor de l'Égypte. Extraordinaire ça. Laissez un coup passer, Vachon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Le trésor de l'Égypte. Qu'ils ont fait nous faire un trésor dans la vie. Qu'ils ont fait nous faire. Nous, tu crois ça nous trésor ça? Ça nous plaisir, ça nous envie ça affaire là. Nous habitué, nous content faire ça affaire là. Et quand nous faisons ça, nous sentons nous content. Et puis nous bon Dieu, puis nous rien là-dedans. Arrive un moment quand Moïse il prend une décision pour David lui-même, mon frère, mon sœur. Il quitte ça va être assets. Peut-être qu'il y a beaucoup dans la pyramide de son nom. Il quitte tout ça va être assets. Qui dit qu'il n'est pas gagné un matériel là. Il considère la richesse qui bon Dieu peut donner. Nous trouvons Moïse, il quitte tout ce qui est ce standard of living. Il est habitué à aller au chariot. Il quitte tout ça là. Il marche, il allait. Il est habitué à manger à Dieu. Ça fallait être où il besoin de veiller à Dieu. Van brebis. Il est allé, que j'ai trop. Même qui bon Dieu pour cause, il accepte le plan de Dieu. Il réfléchit sur la vie qu'il peut vivre. 40 ans, il vit comme ça. Ce prochain 40 ans, il dit, mais pourquoi on continue à vivre comme ça? Comment est-ce qu'on vit aussi pareil, on garde des bonnes quitteuses qui pas nécessairement amène bon Dieu la gloire? Est-ce que tu es bien bizarre jouer l'internet avec tous les camarades qui passent dans la case, jouer ça Tekken ou bien jouer ça jouer la guerre là? Je m'oublie qu'on appelle ça. Est-ce qu'à soir 10h du matin, tu es bien bizarre? Dans demain, les jeunes mines rouges? Restez quoi, gendarme, mon frère, mon sœur? Montre Moïse, il David lui-même. Montre Moïse, il a accepté le plan de Dieu. Je connais, si Moïse, il venait leader de l'Égypte, pareil comme un pharaon,
Dieu tu poursuis Moïse parce que maintenant tu es forcé pour suivre Moïse. Mais quand bon Dieu fait Moïse vient un leader, Dieu ne suit Moïse. Pas parce que maintenant forcé pour suivre Moïse, mais parce que maintenant décidé pour suivre Moïse. Aussi pareil. Ou pour venir sa leader, pour venir sa quelqu'un qui bon Dieu pour servir là. Et Dieu pour suivre vous, Dieu pour aider, Dieu pour être à vos côtés. Pas parce qu'il se fait sentir forcé pour faire les mots, frère Moussia. Il prend plaisir. Il fait un plaisir pour le peuple de Dieu. Ça, combien de millions qui suivent Moïse? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Moïse, il trouve un grand miracle après. Qu'ils amènent, ils vous trouvaient avec ce title, avec ce trône, avec ce chariot. Ils utilisent les salles, ils utilisent l'orgue, ça. Quand ils ont l'orgue, ça, ils vont dire qu'ils me donnent. Miracle. Ils trouvent un joli miracle. La mer rouge ouverte. La main tombée. Un grand, grand miracle qu'ils ont trouvé. Ils trouvaient développer une relation avec bon Dieu. C'est un qui, dans le Nouveau Testament, il peut dire qu'il préfère une relation avec le Seigneur, avec Dieu. D'ailleurs, dans le verset, il dit comment dire, il considère celui qui est invisible. Tu es capable de dire ça, verset 27 coup? Hébreu 11, verset 24? Verset 27. Allez, viens, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. N'a pas besoin de peur coller à Dimon, mais qui peut arriver, c'est Dimon là pour dire ça. Mais qui peut arriver, mon frère, monsieur, n'a pas peur coller à Dimon. D'ailleurs, dans les apôtres, il y a quelqu'un pour dire vaut mieux mon peur bon Dieu qui m'a peur à Dimon. Plutôt, il y a un respect pour bon Dieu qui est un grand respect, grand estime pour Dimon. Oui, quand on peut quitter, quand on abandonne des bonnes affaires pour le Seigneur Jésus, il paraît comment dire we are the loser. Il paraît comment dire tu es un perdant. C'est un qui peut le dire là. Ce qui m'a tué, c'est comment mon profit, mon guet ça, comment dire non, il n'est plus mon profit ça. Il paraît comment dire Moïse, tu m'as perdu ce title. Bon Dieu, donne-moi un autre title. Je connais une place dans la Bible, la Bible dit bon Dieu, causez Moïse face à face, comment dire, des camarades causés. Je connais quand Jésus-Christ, pour prier un jour, c'est Moïse qui t'est venu, qui apparaît dans lui. Une grâce extraordinaire ça. Est-ce que vous connaissez que la Bible dit Pharaon, banati momifié, pareil comme Pasteur Romy t'a expliqué hier. Pharaon sur les corps, banati momifié. Les corps Pharaon. Mais est-ce que vous connaissez la Bible dire bon Dieu qui t'a enterré à Moïse, et personne ne va trouver sur les corps, bon Dieu qui t'a enterré à Moïse. Extraordinaire ça, mon frère Moïse. N'a pas quoi encore, on peut quitter ça qui est là, on peut quitter ça qui est chose là, on peut quitter ça plaisir là, on peut quitter sa activité. Ou un perdant dans la vie, ou pas un perdant. Ou pas un grand gagnant, vous trouvez qu'il y a plus beaucoup qui se sont. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Laisse-moi mettre ça comme ça, Stella. Qu'ils ont fait qu'ils ont trésor en ce moment, qu'ils ont la maison, aux familles, ils ont trésor. Passez un pédé avec vos enfants, qu'ils ont se dévoir. Passez un moment avec le Seigneur Jésus. Priez la maison. Et non pas besoin d'une retière de la guitare qui s'est dans la couchée, elle aurait su de la guitare, elle recommence à adorer. Et non pas besoin d'une retière de keyboard, elle recommence à adorer le Seigneur, elle commence à composer bonne santé. Et non pas besoin d'une retière de bonne cahier notes, elle recommence à continuer de l'étude de la parole de Dieu. Et non pas besoin d'une route à la Bible en anglais qui longtemps, je vais lire là, je mets tout le la table, je vais commencer à lire. Je redécouvert, vrai trésor là, c'est quoi? Le deuxième gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, donne un autre exemple de la Bible encore. Esther. Un seul exemple, c'est Esther. Esther l'itinée comme un petit esclave. Esther l'itinée sans maman, sans papa. C'est-à-dire, son maman n'est pas contre son maman, son papa. L'itinée orpheline. Esther l'ingrandit, son tonton l'ingrandit. Esther. Mais arrive un moment, Esther est une goutte, pas une grande quitteuse. La Bible peut dire à un moment donné, Esther, c'est un parfum, c'est un beauty treatment. Qui te donne tout ça, ben, tifi là. Esther, il commence à servir un parfum de marque, un produit de marque. Esther, sur l'habillement, tu changes. Parce qu'il faisait plaire les rois. Il arrive un moment quand Esther ordonne un mariage, il marie avec les rois, il vient la reine Esther. Esther trouve lui ce titre Ophéline, il sortit, il vient la reine Esther. Dans chapitre 2, verset 3, je vous trouve, il commence à faire un beauty treatment extraordinaire. Mais je vous trouve dans chapitre 5, verset 3. Les rois t'ont accepté, les rois t'ont d'accord, les rois t'ont pris même pour donner la moitié de ce royaume.
Mais Esther, il va me dire, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, ça me profite, ça me l'avantage, et je vais l'avantage, je vais venir, je vais venir, je vais femme la reine, je vais venir femme les rois, je vais la reine, je vais beaucoup l'avantage à Esther, je vais accès partout dans le royaume là, je vais avoir l'avantage. Non, bon, Joseph, c'est pareil. Joseph, quand tu fais travail, quand tu es responsable dans la case, fais-tu fort, tu as accès partout. Mais il va te dire, ah, je vais beaucoup accès, je vais beaucoup l'avantage à Esther, je vais vivre dans le péché. Quand le péché tape sur la peau d'une sauvée, mon frère Moséa. Tu arrives à un moment quand Esther, tu pries pour même donner la matière, tu pries pour donner sur la vie. Et tu dis, Esther, tu dis une jolie phrase. Esther dit, même si mon besoin donne-moi la vie, moi, va donner-moi la vie. Mon frère Moséa, au lieu de nous continuer nous les temps, nous continuons nous la vie, un débat d'activité qui ne peut bénéficier personne d'autre, excepté nous tous seuls, nous égaux, nous pride. Pas peut apporter de la gloire, bon Dieu, dit tout. À nous donner la vie pour une petite chose qui n'a plus grand cause. Esther, tu es ready pour donner sur la vie. Tu es prêt pour donner sur la vie, pour sauver une nation, pour sauver un groupe du monde, pour prier. Ils ont trouvé après les bruits. Madame, elle mangeait devant les diano, mon père génial, à 3 jours, 3 nuits. Les gênés, les parents, ce nornier qui appelle nornier. Beaucoup parmi nous nous font ça, le jeûne d'Esther, à 3 jours, non? Comme vous dites dans la Bible, beaucoup de garçons, David, et beaucoup de les autres garçons, les rois, quand Dieu t'a établi le royaume d'Israël, beaucoup de garçons, je tiens dans leur propre agenda. Je tiens lust. Je tiens désir pour venir les rois. Mais je tiens désir pour venir les rois parce que je tiens dans un mauvais motif. Je tiens dans un motif personnel. Et non, parmi eux, je même fait David sauver, je connais. David, ce propre garçon, tu fais lui sauver. Ça m'a un garçon David, là, je te fais galouper une petite chose, je t'en viens une petite chose. Pas de n'en rien à faire avec Dieu, donne bon Dieu la gloire là-dedans. Et remarque tout un garçon de David qui vit les rois, qui fait bien, je ne régnais bien, mais quelqu'un qui vit dans l'humilité, c'est quelqu'un qui dévie des autres mêmes. Plus grand l'exemple, c'est Salomon. Dieu demande Salomon, qui te voudrais, moi, donne-toi. Salomon qui dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, moi, va diriger le peuple. Bon Dieu, j'ai taillé. Te pas demande moi l'eau, l'argent, la case, encore madame, encore plus grand la force. Te pas demande moi tout ça là, mais à cause de pas demander beaucoup de toi. Me trouve un Samson, il fait exactement ce qu'il dit, Philippiens chapitre 3, verset 7. Réunis à Philippiens chapitre 3, verset 7. De temps en temps, vous pourrez retourner vers Philippiens chapitre 3, verset 7. Ce qui m'a pégété, comment mon avantage. Ce qui m'a. Samson, quand bon Dieu, Salomon, quand bon Dieu, demande que tu as voulu moi de toi. Salomon, pas ne pense au propre avantage. Salomon, pas ne pense au propre bénéfice. Il pas ne pense au propre asset à ce moment-là. Liens, vas-y, Philippiens chapitre 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est que mon difficulté, comment mon profit, comment mon avantage, comment mon bénéfice. Maintenant, mon frère, mon cerveau, le but de sa message, c'est pendant le confinement, il y a beaucoup d'affaires qu'on arrête de faire. Mon papa dit arrête de travailler, hein? La Bible dit, mon papa, Jésus même pour dire ça, mon papa peut travailler, moi aussi mon travail, ou besoin de travail. Faut pas avoir des enfants qui peuvent écouter sa message, dire à mon maman. Maman, on va arrêter d'apprendre, on va arrêter à l'école. Non. La Bible est study, so that you may show yourself an approved man of God, nothing to be ashamed of. Il faut soit étudier. Mais parce que les autres activités qui consument toi, qui existent toi tout seul là-dedans, te mettent toi net là-dedans, te cassent là-dedans, laisse mon Dieu délivrer toi. Et d'ailleurs, moi, je vais dire à mon David, tout le garçon David qui auto-proclame, je même les rois, je fais je même les rois, je ne pas tenir l'onction pour régner. Je ne peux pas me prendre title, je ne prends couronne, je ne prends trône, je ne assise, je ne prends couronne, je mets dans la tête. Mais je ne vais pas tenir l'onction et je ne devrais pas finir durer pendant longtemps. Et là-dedans, je finis de meurtri, je n'ai pas de complot des autres les deux, je de l'amour qui est vilain. Bon Dieu, montre-nous même pour nous régner dans sa l'onction, les rois-là. Il est important de nous dévider nous-mêmes. Dévider nous-mêmes, mon frère Moséen. Moi, mon papa, dévider où? Où dévider nous-mêmes? Moi, mon papa, j'ai où qui est bizarre? David ou deux. Vous allez ou même David ou d'un des manquiteuses. Au fait, si mon papa verrait dans Philippiens chapitre 3, verset 7, est-ce qu'il trois coûte mon quoi il s'est vu le mot regarda, regarda, regarda. Philippiens chapitre 3, verset 7. Une seule fois, le verset 7, il dit une seule fois. Dis-moi comment verset là, dit ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Tout ce qui est un profit pour moi, moi, mon regarde-li, mon compte-li, I count them en anglais. Mon regarde-li, comment dire, ben. Get le prochain verset, verset 8.
Et même je regarde. Je regarde. Mais regarde, elle nous a fait un regard, elle le place là. Continuez. Comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je les regarde. Regarde. Comme de la boue afin de gagner Christ. Tu as tout ça? Dans tout, dans sa dernière, c'est là que Paul explique ça. Révélation 1. Il dit, moi, mon père, écoute ça. Moi, pasteur Asvin, je ne vais pas faire où regarde ça qui est ce que vous supposez tirer là. Je ne vais pas faire où regarde ça, comme on dit, pendant l'importance. Où vous ne pouvez pas regarder. Il y a des affaires qui où vous ne faire. Je ne vais pas soumettre dans place. Je ne vais pas respirer dans place. Je ne vais pas adorer bon Dieu dans place. Je ne vais pas prier bon Dieu pour où. Je ne vais pas aller à l'échelle pour où. Où si vous allez aller à l'échelle. Amen. Où vous avez un regard ça qui est ça. Dieu pour mon Dieu, Seigneur, montrez-moi qui est ce que vous avez tiré dans ma vie. Qui dit moi vous avez tiré. Quelle activité vous avez tiré. Qui est ce que tu peux consommer moi. Tu peux n'en rien faire là-dedans, Seigneur. Tu peux prendre mon temps, mon énergie, mon famille, tu peux punir. Moi, tu peux sacrifier mon famille à cause de ça. Est-ce qu'il y a un football ou tu peux bien avec le football. Est-ce qu'il y a un cricket. Qui est comme ça que tu peux consommer autant. Ou tu es d'accord pour la guerre pour la famille. Tu non, moi, bizarre faire ça. Ou tu es d'accord pour cause mentir avec maman, papa, monsieur, madame. Ou tu es d'accord. Pour qu'aucun argent pas le faire ça. Ou tu es d'accord pour prendre la dîme, l'offrande que vous supposez donner dans l'église, ou tu as accepté de servir à l'argent d'une autre façon. Qui est-ce que tu es? Laisse bon Dieu ouvert au budget. Nous avons notre exemple encore rapidement dans le Nouveau Testament. Nous tous nous connaissons Bartimée, qui est aveugle. Bartimée est aveugle, Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Moi, je vais juste raconter cette histoire-là. La Bible dit où Jésus est passé, Bartimée est là-bas, tu es assisé. Et il tient dans son sac, il tient dans son costume. Quand maintenant il dit Jésus, appelle-toi. Regarde bien. Pour être capable d'aller de Jésus. Il fait des affaires. Il dit sur palto. Et dans cette époque-là, quand je me suis dit avec, je me suis mis dans le palto. Je me rappelle, que ce soit dans Rosil, que ce soit dans Pauli, que ce soit dans Flat, je me suis dit bien longtemps, je me suis dit bien longtemps, je me suis dit que tu vas être clochard. Et ça m'a enclos, là, je peux mettre un costume. Un peu gris, comme ça, un peu dire, noir, gris. Vous êtes clochard. Mais c'est moi, je peux mettre costume. Qui fait hein? Parce que le costume est dans 3 pouces, mais 4 pouces. Des pouces des côtés, un pouce en dents, un pouce en dents. Quand je gagne un cas, je mets dans un pouce. Alors, ça m'a dit, mon avec là, dans ça, l'époque-là, si tu as un costume, un manteau, et tu peux prendre un casque qu'il a gagné comme mendiant, tu peux mettre dans ça. Il y a un coup passé à l'argent. Verset 50. Marc chapitre 10, verset 50. Quand Jésus m'appelle lui, Jésus t'appelle lui. Jésus t'appelle lui par son nom. Jésus dit j'appelle lui, il appelle Bartimée là. Bon Dieu m'appelle lui aujourd'hui par son nom. Bon Dieu connaît nous nom. Parce que Jésus n'a pas connu nous nom peut-être. Bon Dieu connaît nous nom. Quand bon Dieu m'appelle lui, mon frère, monsieur, ou bien c'est un des bonnes petites choses. D'accord, ready, prêt, garde ou prêt pour éteindre les banques qui sont. Avec qui on finit de revêtir ou avec qui ça fait on finit de couvrir ou? Ou pas ça du monde là ou? Ou pas pour bizarre ça encore? Bon Dieu, Njeli, vini. Et pour une capable de venir vers Jésus, qui est le verset 50. Vas-y, verset 50. La veuve jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Vous avez vu ça le verset 50? Pour lui suivre Jésus, il besoin de ce qu'il est considéré comme un asset. Les misères, c'est qu'il est considéré comme un profit, ça. C'était ce profit, ça, dans l'argent qu'il a ramassé. C'était sur l'avantage qu'il tient dans ça. Mais non, mon frère, monsieur, c'est Castella, Zaché, Pégueté, comme un seul avantage, sa costume-là. C'était pas ça qui, bon Dieu, il réservait pour lui comme un best life. Sorry, Bartimée. La Bible dit, il suit Jésus, il vient contre Jésus. Et la Bible dit, Jésus ouvert son lit. Et il continue à suivre Jésus. Mon frère, monsieur, bon Dieu, on vit ouvrir au business. Comment dire, ça m'a même déjà pensé. Il n'y a pas mis autre, peut-être, moi, c'était là, je vais penser, travail, mais Dieu, déo. Parce que bon Dieu, prochain coup, comment pourrait ouvrir. Bon Dieu, prépare-toi, tu as toute capacité, tu connais tout ce qui est bizarre, tu connais comment reply, ban tender, tu connais tout ce qui est bizarre, tu connais comment faire recrutement, tu connais A à Z, comment rouler une compagnie. Bon Dieu, permet de te dire comment ouvrir une compagnie. Derrière, bon Dieu, il finit cause en toi, qui n'a pas appelé sa compagnie-là. Amen, peuple de Dieu. Revois-toi, agenda. Zet ce qui est bizarre, c'était. Retiens ce qui vous a retiré. N'a pas couvert toi la honte. N'a pas couvert toi avec le passé. Il y a un mot qui fait causer avec Pasteur Vachan, mais j'ai des affaires. Moi, je te connais. Pour Bandimoun, vous avez réfléchi, vous avez réalisé des affaires.
Donne-nous la vie passée, tout ce qui est arrivé dans le passé pour nous. Un seul passé qui vise un matter. Un seul passé qui vise un important priorité. Un seul passé. Là que Jésus-Christ, si mort dans la croix, sa zoula, là, sa moment, si sa activité, si sa action là, si sa événement là, tout seul qui vise à nous passer. Tous les autres passés, comment Jésus, comment Pasteur Romy finit d'expliquer, il lavait par le sang de Jésus. Il purifiait par le sang de Jésus. T'allais là nous sentir, nous, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit « All things are gone ». Les choses anciennes sont passées. « Behold, new things shall spring forth speedily ». Ma nouveau quelque chose peut venir, mon frère Moïse. N'a pas continué marier toi avec sa costume, pauvreté, costume, la honte, costume, aveuglement là. Laisse bon Dieu libérer toi. L'oubli à laisser, laisse-le. Prochain coup, tu vas pouvoir tendre la main comme ça pour gagner casse, pour ramasser du monde. Prochain coup, tu vas travailler avec la main pour gagner la paix. Est-ce que le peuple de Dieu est la même? Nous prenons un exemple encore. Matthieu chapitre 9. Là-bas, ces histoires, un tax collector. Matthieu tient du monde qui contacte, qui travaille dans MRI. Et dans ça, l'époque là, vous rappelez un jour, parce que Bicarit explique ça de l'école du ministère. Et dans ça, l'époque là, il y a du monde qui contacte. Un des mêmes affaires qui sont contents, c'est sur la table, qu'on se contacte. Qui fait hein? Et la Bible sert ça. Et il est Matthieu, il est Matthieu, il peut écrire Matthieu là. Et Matthieu, quand il peut écrire Matthieu, il vous dit hein? Moi, tu as 6 côtés de la table. Moi, tu fais contacte quand Jésus est venu. Qui fait parce qu'il y a des tiroirs des côtés. Quand un monde vient pour payer taxe pour César, une partie tient dans le tiroir César, une partie tient dans le propre tiroir. À cause de ça, Matthieu, tu es content sur la table. Pardon? Ce bureau. Tu n'as deux comptes. Un compte. Un bank account pour César. Un même bank account pour lui. Pendant qu'il peut faire un wire transfer pour César, un autre wire transfer peut faire le surnom. Pendant qu'il peut faire un foreign exchange pour César, il peut faire un autre foreign. Et d'ailleurs, pour ce foreign exchange, c'est un plus bon rate que César. Malgré qu'il dit qu'il paye un casse. À cause de ça, il ne faut pas vous étonner quand Jésus voit à côté de Matthieu. Matthieu qui peut dire ah Seigneur, si mon besoin d'un. Quand il disait ça? Redonne-moi l'héritage, ou bien donne-moi une partie, moi l'argent, ou bien. Ah, le delà c'est des archers. Ok, le delà c'est des archers. D'ailleurs, les archers, c'est un démon qui noble. Matthieu, si pour moi, il n'est pas étonnant, si un jour. D'ailleurs, Matthieu, tu quittes tout, tu commences à suivre Jésus, non? Littéralement, il quitte tout. Regarde là, Matthieu, tu es capable de dire non. Ça, la table, mon profit, ça. Je vais donner un simple exemple. Un homme démon, un homme chrétien, je vais donner un bon travail, il a un tiers vendredi. Et qui se fait là, si dimanche, il est à l'église, je dois travailler ça, le travail là, c'est toujours un petit peu profit encore. Et mon frère, Moïse, parfois c'est pas profit qui vous bise, parfois c'est la parole de Dieu qui vous bise, la présence de mon Dieu qui vous bise. Qui fait la présence de Dieu, il n'y a pas de profit pour vous. Ou bien quand est-ce qu'il a la parole de Dieu, présence de mon Dieu, quand est-ce qu'il vous profite, quand est-ce qu'il vous profite de la présence de Dieu? Parce qu'on dit tout le temps, tu sais ça, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon délice, c'est mon plaisir, c'est mon profit. Voilà Matthieu qui gagne encore dans ce que tu. Ah mon frère, mon sœur. Matthieu, tu faisais quitte ce qu'il était considéré comme un profit, comme un asset. Il quitte tout, il suit Jésus. Et quand il quitte tout pour suivre Jésus, il va dire suivre Jésus. Il quitte pour suivre Jésus, pour qu'il soit connaissance au Jésus, le Christ, le Messie, augmenté, développé, et il fait grand quelque chose. Hein? Il fait grand quelque chose, ça, Matthieu-là. Il a l'occasion d'écrire la Bible. Excuse-moi, il a l'occasion d'écrire la vie de Jésus. Il a l'occasion d'écrire l'évangile. Comme un casse, tu n'as pas gagné quand tu ramasses pour dire jamais ça casse, tu peux permettre un jour d'écrire l'évangile. La vie du monde changée. Et si vous ne voulez pas n'importe quel évangile, sur l'évangile même parce que ça, premier dans la Bible. Il obéit facilement. Gloire à Dieu. Mon message, ça, c'est de régler toute bonne activité. Si vous m'avez appartenu à confinement, si mon pasteur dit toi, tu as cette activité-là depuis dans de la vie, tu peux dire non, ben là, qui peut dire? Si mon pas à Friday night party, ben là, qui peut dire? Si peut-être pas tenu à confinement, tu peux lui plus difficile peut-être. Mais là, ben conditions, ben paramètres différents. Tu n'as déjà pas pu faire ça, ben activité. Qui m'a pu faire manchon là? Prends une décision par rigueur, ça, pour finir ça, laisse ça aller dans le nom de Jésus. Et sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. N'a pas besoin de pire, mon frère, Moïse. N'a pas besoin de pire. Moi, je dis comme ça. There is a writer in you. Toi qui peux guetter moi là. Si tu prends sa décision qui m'a fait dire pour crucifier la chair, pour arrêter de faire plaisir à du monde,
pour me régler ton agenda, pour me bondir avant. Regarde-moi, je t'ai dit pour écrire. Tu peux écrire un des plus jolis messages pour prêcher toi-même. Dans cellule, dans réunion et dans l'église, Enzo. You are a writer. Tu peux écrire un des plus jolis chantés qui des années, générations pour sortir un chanté qui t'en écrit là, qui t'en compose là. There is a writer in you. Moïse, qui sait qui vous a quitté, il vient un writer. Mathieu, qui sait qui vous a quitté, il vient un writer. Pauline, qui sait qui vous a quitté, il vient un writer. You are next. Amen. Nous avons des exemples et puis nous terminer. Rahab, c'est pareil. Une autre histoire, c'est Rahab. Rahab, si sur Asset, c'était quoi? Rahab, dans ça l'époque-là, pour une madame dans la case, ça c'est une grosse affaire ça. Quand vous étudiez la Bible, vous trouvez dans l'Ancien Testament, un des bonnes rares places que la Bible pour dire la maison d'une femme, c'est Rahab. Sinon, la plupart des places, c'était quoi? La maison de Jacob. La maison d'Israël, la maison de, voyez-moi, un tel. Pour une madame, récit dans la case, le son nom, le son property, pour lui. Mais ça, mon frère, monsieur, assets pour lui ça. Tout le profit qu'il a gagné, c'est une prostituée quand il vend sur l'écho. Tout ce qu'il a étiqueté comme un profit sur l'avantage. D'ailleurs, ici, tu as confinement. Maintenant, tu dis, reste dans la case, toi et tout le monde, reste dans la case. Quand le gouvernement ne va pas sortir, et tout ce qui est dans la case, ça va être protégé. Alors, comme tout le monde dit, et l'église qui peut faire en ce moment, l'église peut faire ce qu'il peut en dire, nous peut rester en obéissance de la parole de Dieu. Mon frère, monsieur, il y a un grand avantage ça, pour Rahab. Vous voyez que ça va rester le mirail. Les commandants restent dans la mer. Les commandants restent dans une place que tu as vu. C'est un avantage, c'est un profit, c'est une grande chose pour Rahab. Mais Rahab, tu faisais apprendre, quitte ça, tu faisais apprendre, quitte ce qui. Des années, il travaille pour gagner ça la case. Je ne vais pas me dire quitte la case, hein? Oh, je ne vais pas me dire quitte la case, pas ça, je peux dire. Quitte chose, à part qui ou la case, il vient ou le deuxième la case. Vous comprenez ce que je peux dire là? Que le pénal bon Dieu n'a rien là-dedans. Que le bon Dieu n'a pas approuvé ça. Ça qui m'a déjà quitté. Et je connais qui Rahab tu faisais faire? Rahab tu faisais David lui-même, son identité. Et tu faisais quitter sa culture. Quand le peuple Israël est venu, et tu faisais comment suivre le peuple Israël. Mais ils apprennent knowledge of knowing Christ. Mais apprennent nouveau façon de mort, c'est l'éternel. Apprendre nouveau culture. Et bon, tu parles ici comme ça, mais n'a pas quoi encore quitter une chose pour Jésus pour un perdant. D'ailleurs, Jésus dit à mon disciple, je quitte tout ça là pour moi. Est-ce que je suis mort quitte chose, Enzo? Ben, je dis, amène une mort, ok. Moïse, il quitte mon affaire. Est-ce que Moïse vit dans manquement? Non. Ben, l'exemple qui nous peut guider, même Rahab. Rahab, pas tu vis dans manquement. Par il que personne ne va toujours mourir. Tout le monde existe pour guérir la chance sexuelle avec lui. Par il quand Rahab commence avec le peuple de Dieu, il commence à avoir sa nouvelle façon qui bondit. Il dit c'est là, il abandonne ce qu'il faisait abandonner. Il y a un mariage, tout là. Et il pouvait une grand-mère de David là. Et il pouvait une grand-mère de Jésus, tout là. Prends ça une décision, abandonne ce qu'il faisait abandonner là. Je te dis gloire à Dieu. Je connais Pierre qui faisait pas abandonner ce bateau. Puis ce nom, ce title, il tient une renommée extraordinaire ça. The Fisherman. Quand nous causons Pierre, c'était une grande affaire ça. Mais quand Jésus appelé, il nous disait quitte ce filet, quitte ce bateau, quitte tout, quitte ce business. Encore une fois, je ne vais pas dire quitte ce business. Je vais dire, quand bon Dieu appelé, quitte ce qui vous a quitté. Voilà ce que je veux. Ou bon Dieu pour cause, ou quand nous l'avons, ou pour regarder ce qui vous a regardé. Mais il disait, apprendre quitte ce bateau là, mon frère, monsieur. Quand vous êtes Élisée, pareil. Élisée peut travailler avec 12 pères bœuf. Mais tu peux travailler avec un, comment on dit, plow? Yoke. Maintenant, mais c'est que les animaux peuvent aller après faire un sillon avec ça. On oublie comment on appelle ça. Zouk, merci. Je connais qui Élisée, tu faisais un café. Élisée, tu faisais un brille, ça va un zouk là. Et tu faisais un give up ça. Mais tu faisais apprendre. Non? Nous avons l'histoire de Noé, Noé, c'est pareil. Noé passe 150 plus 40, comment faire? Plus 7. 197. Parce que Noé, tu rentres dans le bateau. 7 jours, la pluie partie tomber. Les là, Noé, tu es dans le bateau. Pendant 40 jours, 40 nuits, quand la pluie tombait, fait 47 jours.
Les lames nous mettent les abattus 150 jours en cause car qui déluge pour diminuer. En tout, vous trouvez combien il fait? 197 jours, nous venons rester dans le bateau. Ce bateau-là, tu viens sur la case, ce bateau-là, tu viens endormir ça. L'île rend ce bateau-là. Pas pour un autre bateau comme ça. Sur la famille, nous sauver pour ce bateau-là. C'est ce qui ne peut pas du monde faire. Nos familles nées là-dedans. Nous faisons ça avec nos religions, nous faisons ça avec nos coutumes. Non? Mais je connais quand nous venons sortir d'un bateau de misère, casser une partie de ce bateau-là, je vais dire qu'il fait. Comment nous venons sortir d'un bateau? La Bible dit qu'il offrit à Dieu des animaux qui puent. Des animaux qui puent, il faut offrir ça comme un sacrifice. Mais je vous demande, mes pasteurs, il ne peut pas jamais déborder des animaux-là. Mais s'il prend des animaux, bien un animal qui puent, il fait sacrifice. Mais comment il y a encore les autres animaux? Parce que dans le bateau-là, en dedans, pendant ça, 150 jours-là, des animaux-là, en dans le bateau, tu multiplies aussi. D'ailleurs, une poule, si mon père ferait une poule dans un mois, il est capable d'éclotiser avec un petit poussin. Non? Une poule, dans un mois. Mais les chiens, quand je pleine, comment on appelle ça? Dans trois mois, je suis capable d'accoucher. Accoucher, il m'appelle ça? Mais de bas. Allez, regardez tout ce que je peux dire. Quand nous venons sur le bateau, quand ils connaissent, ils faisaient un bon Dieu, les animaux purs devant bon Dieu. Quand tu viens du bois après, vous pouvez faire tout ça, sacrifice ça. Et tu prends une partie sur le bateau même, un des bandes du bois qui tient. Moi, je suis convaincu que tu es comme ça. Et tu viens prendre, quelque chose qui te met sur confiance, quelque chose qui te dépend là-dedans. Pour ne plus dépendre là-dedans, vous dépendez sur bon Dieu. Ça, d'ailleurs, bon Dieu, Dieu, pour ne plus des lots encore comme ça qui vous dérange la terre, moi faire, bon Dieu, de même te dire, je crois là-dedans. Moi, vous ne pouvez pas vous garder ce bateau-là, comment dire, lifeboat, comment dire, souvenir. Et même un souvenir, il ne faut pas nous garder. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon, je crois qu'on a la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça, comment nous capables, il y a beaucoup d'exemples comme ça, comment on dit, je me dis, je vais get rid. Libérer l'or que ça va nous faire là, regarder ton agenda, regarder ce qui est priorité dans la vie. Merci Seigneur. Pas juste la Bible, l'histoire de l'Église, il montre nous. Il montre nous ça. Quand nous parlons de Smith Wigglesworth, quand nous parlons de grands de Dieu qui vivent dans la terre là, un parti pour nous autres, c'est un avocat qui travaille pour voir ce que le Seigneur. Beaucoup de noms de Dieu comme ça. Ce qu'ils ont fait guider, comment ils ont profité, ce qu'ils ont fait guider, ce qu'ils ont fait considérer, comment ils ont l'avantage. Je n'abandonne tout, je ne pense que le Seigneur, je ne réponds à l'appel de Dieu. Guédé Pilène, il peut encore raconter le merveille que je viens de faire. Encore une fois, mon papa, j'ai besoin de travailler. Ou fait ce qui est bon Dieu, Ndiao. Ou fait ce qui est bon Dieu, Jérusalem, pour faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour avec moi, ça m'a dit petit activité là, il apparaît petit, il apparaît trop petit guide, il apparaît trop enfant. Ça a une affaire là, bon Dieu. Si moi, je suis dans mon avis, il n'y a pas de grand changement. Il se peut que oui. Il se peut que oui. Jésus dit, bouge ça un rose là devant le tombeau Lazare. Un seul rose qui vous a bougé. Pas tout rose qui est dans la terre qui vous a bougé. Un rose qui est dans devant le tombeau Lazare. Bouge ça rose là. Lazare ressuscité. La puissance de la résurrection a manifesté de façon extraordinaire. Bouge ce qui vous a bougé dans la vie. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alors, on va terminer avec ça pour la prier. Demande bon Dieu qu'ils a fait mon besoin mettre du feu là-dedans. Demande bon Dieu qu'ils a fait mon besoin briller dans mon la vie. Qu'ils a fait mon besoin retirer dans mon la vie. Et mon garantie où un meilleur la vie qui est dans nous. Hein? L'abondance qu'il y a dans nous. Moïse, il vit dans l'abondance. Moïse, il vit dans l'abondance après. Rahab, il vit dans l'abondance après. Beaucoup d'exemples, encore un jour, qui suivent le Seigneur, je vis dans l'abondance après. Merci Seigneur. Et le ministère fait en toi. L'onction bon Dieu fait en toi. Tu peux sauver beaucoup du monde à longueur, oui. Avec sa bonne décision qui donne pour là. Gloire à Dieu, merci Jésus. Soumette-toi la vie. Et rappelle-toi ce qu'il me dit. Tout ce que bon Dieu investit dans ta vie, il n'est pas en vrai. Pasteur, on a beaucoup payé, moi. Bon Dieu, vous servez un jour pour Richard, tout ça, man, dit Mouna. Parce que moi, je suis Madagascar, bien, je suis Angleterre, bien, je suis Italie, bien. Bon Dieu, vous servez un jour pour Real, ça va dans le pays là. Et ça fait là, il va compagnie qui va avoir toi. Il peut le royaume de Dieu qui va avoir toi. Car bon Dieu, vous avez comme un ambassadeur un jour là-bas. Tu peux gagner un travail comme ambassadeur. En même temps, tu peux gagner un travail pour prêcher l'évangile en même temps. Pas parce que ambassadeur spirituel là, pas parce que ambassadeur littéral. Quand bon Dieu, ça, je t'appelle la personne qui a disqualifié toi. Mais nous voulons nous passer un moment. Nous faisons le vigile pour vous prier pour eux. Papa, dans le nom de Jésus, qui s'en fait sans aller, va venir ce message. Nous prenons le temps de Philippiens chapitre 3, verset 7. Et nous avons une chose qui nous peut guider comme nous l'avantage. Et nous avons une chose qui nous peut guider comme nous désir, nous plaisir. Et nous avons une chose qui nous peut guider comme nous bénéfice là-dedans. Et nous avons une chose qui nous peut guider, nous faire dans nos la vie.
par peur. Tant chose si nous pas faire ça qui dit monde pour dire. Et nous m'a fait nous faire dans nos vies par peer pressure, par l'orgueil, par l'arrogance. Mais demande-toi, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour régler ton agenda. La Bible dit rachète les temps, aide-nous pour racheter les temps. La Bible dit chasse d'abord le royaume de Dieu, aide-nous pour chasser d'abord le royaume de Dieu. Que ce soit s'il y a une activité, que ce soit s'il y a une chose, que ce soit s'il y a une relation toxique, que ce soit s'il y a une pensée qui contient à tes paroles, que ce soit s'il y a des affaires égoïstes et nazistes, nous là-dedans. Mais demande-toi maintenant même, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour tirer ça depuis dans nos vies. Fais cette opération-là au plus profond de nous, Seigneur. Au plus fin fond dans nos liquides. Aide-nous pour retirer des racines. Ça va être quelque chose qui nous a mis à tasser là, Seigneur. Et qu'ils ont dit, Seigneur, pendant le confinement qu'ils devaient vivre en ce moment, une des bonnes façons de nous rendre plus facile encore pour nous sortir de sa bonne vie, de sa bonne passion, de sa bonne plaisir, de sa limona, de sa bonne chose, de sa limona. Aide-nous pour gagner victoire une fois pour toutes, Seigneur. Tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui est juste, tu es un Dieu qui est glorieux. Moi, fais-toi confiance dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, merci, Jésus. Amen. Mais vous continuez à prier pour ceux de la case, prends une décision et nous croyons que bon Dieu bénit. Amen. Au bien content, mon prochain avec eux, le Seigneur bénit eux. Au bien devant, va se rater qui pouvait nous prendre la Sainte-Sainte et nous pouvons continuer nos réunions. Nous ne pouvons pas mettre nous assises, prends la Sainte-Sainte. La Sainte-Sainte aussi et nous vous prenons ensemble comme une grande famille dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mon salut de tous dans le nom de Jésus. Pasteur Jules, bien béni par la parole de Dieu. Et ça me sert ça, me rappelle aussi qui, par recommandation qui est Dieu, la Bible dit à nous, we are God's possession. Amen. Nous, asset de Dieu. Nous, la vie, c'est pas où, la vie, c'est pas où, asset. C'est asset, bon Dieu. Mm-hmm. Alors, donne-nous 100% à Dieu. Mm-hmm. Pour nous rendre grâce à Dieu avant qu'il nous prenne la Sainte-Sainte. Seigneur, je me loue et toi, Seigneur, pour tes l'écho, Seigneur, qui casse et qui mépris, Seigneur. Me louer toi, Seigneur, pour te dire sans plus voulez pour nous, Seigneur. Ce qui te fait, Seigneur, la grande valeur, Seigneur. Me louer toi, Seigneur, que tu me prends la vie, tu me prends la santé, tu me prends la restauration de Dieu de l'écho, Seigneur. Me donne-toi la gloire, Seigneur, que tu te dis sans y a une protection et une révitalise sur l'écho, Seigneur. Me donne-toi la gloire, mon Dieu, ta merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Jésus. Pendant que tu veux prendre la Sainte-Sainte, je fais une annonce importante. Mardi, nous avons besoin, Pasteur Romy, pour avoir pour nous la parole de Dieu mardi, mercredi, moi pour prêcher, et nous prenons samedi, dimanche. Écoute bien, nous avons apporté un changement dans nos timetables à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, nous avons apporté un changement. Moi, j'ai oublié d'expliquer ça pour tous ceux qui sont dans mon table blanche et tous ceux qui peuvent écouter nous. Quand nous prêchons live tous les jours, gloire à Dieu, beaucoup de gens peuvent être bénis, gloire à Dieu. Mais dans l'église Montalbot, je suis habitué dans ma cellule. Et je me remarque que pendant la semaine, quand je téléphone plusieurs bandimons, il y a des bandimons dans le besoin en ce moment. Et ils n'ont pas tiré à manger que Dieu. Ils n'ont pas transport par la cité manger. Alors, le bandimon, tu peux faire face à un challenge. Alors, en tant que pasteur, il y a un joli verset qui est bon Dieu, que moi, il confirme. Ça passe dans mon avis, un petit coup. Je connais qui Paul peut dire, et je trouve ça bien vrai dans mon avis. Paul peut dire des affaires de Philippiens. Paul peut dire, mon fils estime ça des affaires importantes. Comment il dit ça? Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà. Philippiens chapitre 2, verset 25. Écoute ça. Hein? J'ai, Paul peut dire ça, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère. Ainsi de suite. Je ne vais pas continuer à lire. Comme on, en tant que pasteur, comme on assesse tout ce qui peut arriver, comme on trouve le peuple de Dieu sur mon pécole château en Montagne-Blanche, en tant qu'un pasteur de Montagne-Blanche, il y a des gens qui pas nécessairement à manger que Dieu. Et gloire à Dieu, nous encourageons un leader pour téléphoner, pour organiser. Et miraculeusement, bon Dieu, pour voir un leader, bon Dieu, mettre ça dans le l'équerre, pour acheter, manger, pour acheter, provision, pour acquitter que Dieu. Alors, ce qui est bon Dieu, mais dans mon équerre, semaine prochaine, nous commençons nos cellules. Et en tant que pasteur, je ne peux pas faire un leader assisé sans prêcher. J'étais dans un ministère, j'étais dans l'appel de Dieu, dans l'onction de Dieu de la vie, pour ne pas être disabled. Alors, voilà comment nous pouvons go ahead dans l'église Montagne-Blanche. Tous nos leaders de l'église Montagne-Blanche qui habitent fait cellule, nous pouvons kick off, nous pouvons démarrer nos cellules pareilles. De lundi à samedi, nous pouvons avoir nos cellules pareilles. Ben, du monde pour continuer à faire cellule par Skype, par Internet, par Facebook, nous pouvons continuer à faire nos cellules. Premièrement, nous pouvons continuer à faire nos leaders opérer, continuer dans notre ministère. Deuxièmement, quand nos leaders pour continuer à faire cellule, pendant one-to-one, parce que là, moi, je peux causer avec vous. Je ne peux pas ici, écoute où pour causer avec moi. Je ne peux pas connaître qui peut passer avec tout. Alors, cellule, il y a une façon que moi, en tant que pasteur, je peux connaître qui peut arriver, je peux gagner, je peux taper un peu le pouls partout que tu peux arriver, qui peut arriver. Et dans cellule, mon leader pour continuer à fonctionner. Et dans cellule, nous pouvons connaître qui peut arriver, que ça qui dit, moi, bien, qu'ils ont fait. Alors, nous ne pouvons pas faire nos réunions tous les jours.
Ne pas pourquoi nous réunions tous les jours live sur Facebook, qui fait parce que nous pouvons concentrer un peu plus sur la cellule. Moi, je voudrais que ben, la cellule aussi béni et nous continuons à faire l'œuvre de Dieu. Dans un moment comme ça, nous ouvrons trois nouvelles cellules, nous finissons ouvrir online, trois nouveaux leaders levés et nous pouvons démarrer ça à partir de lundi. Mais mardi, nous prenons Pasteur Romy qui pense à nous la parole de Dieu ici, parce que Pasteur Romy m'a dit dans l'église Bel Étang, il habitait enseigne la parole de Dieu. Et mercredi, nous prenons nos réunions l'enseignement qui nous habitait dans l'église Montagne Blanche, nous pour prêcher la parole de Dieu, moi pour prêcher. Et samedi, Pasteur Romy habitait fait ce culte, nous pour God nous réunions samedi, et dimanche, nous pour God nous réunions. Ça veut dire que nous réunions live, les pour juste mardi, mercredi, et samedi, dimanche. Au lieu d'être 7 jours par semaine, les pour juste 4. Et moi, je peux donner une explication qui fait, nous peut faire comme ça. Amen. Parce que moi, quoi, nous besoin aussi prendre soin du peuple de Dieu. Et bon Dieu, mais un désir dans mon cœur, moi, je peux encore prier là pour connaître exactement comment nous pouvons faire lire, nous pour rigoler comment nous pouvons faire, nous pour. Il y a un monde qui est vraiment défavorisé dans nous l'église, pas nécessairement dans toutes les affaires en abondance, nous pour. Ils n'ont pas de travail tous les jours aussi, nous pour rigoler comment nous sommes capables d'être Dieu. Des façons. Premièrement, comment nous sommes capables de manger même que Dieu, ration, provision. Deuxièmement, comment nous sommes capables de faire un versement l'argent direct dans notre compte, nous pour être Dieu. Moi, pour faire ce que la Bible dit, la Bible dit c'est un qui qu'un frère mon papa dit allez bon Dieu pour nous manger. C'est un qui qu'un frère mon papa dit allez bon Dieu pour nous linge. Un qui qu'un il nous a posé une question mais pasteur Zwin. Jésus amène faire ça lui. Jésus amène une de manger tout du monde. Jésus amène une faire ce qu'il peut faire. Mais vous avez compris les affaires. C'est avec des apôtres qui l'église fait ouvert. C'est avec des apôtres qui l'église fait inaugurer l'église, le concept, l'institution, l'église fait démarrer. Mais quand nous regardons avec des apôtres, ben là tu peux faire ça là-bas. Quand l'église, tu dois manger tous les jours encore, tu dois manger.